Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale. Sur le coup, la plupart des Juifs le vivent sur le mode national. Ils vivent dans des États-nations dont ils ont épousé la citoyenneté et la culture, la plus souvent, enfin en tout cas pour l'Ouest. Donc, ils sont des ardents patriotes. Ils pensent que la solidarité juive dont on les accusait, dont les antisémites leur faisaient grief, eh bien, elle a pas tenu. La Première Guerre mondiale est un moment de consolidation du judaïsme italien. Hermann Cohen va être un grand patriote allemand. Il va soutenir l'effort de guerre allemand et il va le faire au nom de son judaïsme. Il se lance dans le conflit corps et âme. C'est ce qu'on peut appeler, comme disait l'historien Michel Vinocq pour la France, une intégration par le sang versé, ou je dirais une confirmation de l'intégration par le sang versé. L'autre étant l'ennemi, l'autre étant celui qui ne porte pas les valeurs de la civilisation, mais de la barbarie. Enfin, il participe complètement de ce qu'on appelle la guerre culturelle. La Première Guerre mondiale a, comme partout ailleurs, été un échec terrible pour la conscience européenne et pour la conscience juive. Mais en Belgique a eu cet impact particulier de diviser très fortement le judaïsme belge, à savoir qu'il était constitué de populations qui étaient venues de territoires qui ont été des territoires belligérants pendant la Première Guerre mondiale, et que cela a déchiré de manière terrible le tissu social de la vie juive. Les juifs des deux côtés ont été bien évidemment extrêmement partie prenante, si je puis dire, jusqu'au moment où ils se sont aperçus assez vite que c'était des juifs qui tuaient d'autres juifs et que de toute façon c'était pas leur guerre. Au nom d'une certaine conception du judaïsme, Gershom Scholem par exemple, lui, va être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il va être antipatriote allemand et sioniste engagé. Il dit à cette époque une formule qui ressemble à peu de choses près vos problèmes, en s'adressant aux Allemands et aux Européens en général, vos problèmes ne sont pas les nôtres. Je ne suis pas concernée par la Première Guerre mondiale. Pour les Juifs d'Europe orientale, la Première Guerre mondiale est une période de désastre et de pogroms, de violences intenses. Alors, on connaît très bien les pogroms de la guerre civile qui commence en 1918-1921, mais ça commence en fait bien avant ça. Dès 1915, le gouvernement russe soupçonne, ou les militaires russes soupçonnent les juifs d'être des potentiels espions ou traîtres, donc expulsent la population juive des zones frontalières et des zones de combat. Donc c'est une période vraiment de déplacement de population forcée, d'exil, de misère et aussi de violence spontanée de certains régiments contre la population juive. La Première Guerre mondiale correspond à la fin de l'agonie de l'homme malade qui était l'Empire ottoman, le début de l'éclatement, enfin l'éclatement de l'Empire. Et donc pour les communautés séfarades, en fait, je sais pas s'il y a une lecture de la Première Guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elle a un impact énorme sur leur devenir, parce qu'il va falloir qu'ils prennent position, dans le sens, prennent position, en fonction de comment vont évoluer les restes de l'Empire, les pays nés de la dissolution de l'Empire. Est-ce qu'ils peuvent conserver une espèce de statut à part comme ils avaient dans l'Empire, ou est-ce qu'il faut qu'ils se nationalisent bulgares, roumains, turcs, grecs ?